nous vivons dans un monde péché, un monde sans espoir, sans la paix, sans l'amour. C'est peut-être ça. Mission AWMI, c'est partager l'amour, l'espoir et conforter tout le monde qui a besoin dans le monde ça. En tant que ministère de femmes, nous essayons de permettre aux femmes dans plusieurs étapes dans la vie pour chercher un autre niveau de maturité spirituelle dans Jésus-Christ à travers connaissance biblique et conseil clinique. Et puis tout, nous avons des références et pour connecter les femmes avec de bonnes sources. Vision nous, c'est pour nous servir même gens Dorcas Teye dans la Bible. Nous cherchons à récupération émotionnelle, physique et support spirituel, yon ak lot, comme servante bon Dieu qui a appel pour servir tout le monde. Nous voulons encourager toute femme, tout l'âge, dans toute l'église et dans toute communauté yo, pour yo travailler ensemble. Pour être capable d'aller plus loin que muraille l'église New York. Depuis effectivement deux semaines, nous avons entamé l'enseignement ça sur Éphésiens 5, verset 1er et verset 1-2, côté que nous avons lili pour nous déjà. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Depuis quelques semaines, nous étions un petit peu sur l'ordre, ça, c'est un ordre, un commandement. Devenez donc, nous ne sommes pas les verbes là, mais nous voyons que j'aime ça, il suivit de l'autre mot qui est important tout. Et nous avons aussi une sens signification pour ça. Devenez donc, ça veut dire que un beau crayon, ça fait longtemps. Nous sommes doués plus loin. Vous comprenez? Ça fait longtemps que nous sommes plus loin, nous sommes sous classe, nous sommes plus haut. Vous avez dit la semaine dernière, là, moi pas voulu faire un enseignement, et puis donc, nous content, et là, c'est bon, manger, c'est bon, mais nous tiens à ce que nous allons plus loin. Nous tiens tout pour que ça. Nous apprenons, nous appliquons dans le quotidien, dans la vie de chaque jour là. Tu vois quoi ça? Amen. C'est ça que le supposé y est. Donc, à soi, il y a nous parler de sentiments qui ont animé Jésus. Donc, nous sommes tendus de ce niveau d'aléa qui t'a parlé de l'une sentiment ça y est. Et dès le départ, notre texte-là nous voit qu'il parlait de ça et marchait dans la charité ou l'amour. Donc, l'amour, c'est l'une sentiment que Jésus peut éprouver qui peut animer Jésus. Et c'est un sentiment que nous devons imiter. D'ailleurs, rappelez-vous que dans Jean 13, 35, là, dans le texte là, on va faire lecture après. Jean 13, 35, là, répétez, mais un commandement nouveau. Que va bannir. Aimez-vous les uns les autres. Et puis il parle de bon modèle là. Comme
je vous ai aimé. Nous ne pouvons pas le aimer, frères, nous, sœurs, nous, voisins, à ce côté-là. Nous ne pouvons pas le aimer comme ça. Nous avons un modèle. Nous avons un modèle que nous devons imiter. Jusque la croix, hein, Jésus après main. Donc, on va t'arrêter, mais les balles là seulement. Mais les balles là en mêlée du tout, il faut nous continuer. Mais si nous voulons imiter Seigneur, donc c'est ça. L'amour, il y a un tête de liste là. L'amour, c'est un sentiment céleste. C'est dans le ciel qui est sorti. L'amour, il n'est pas terrestre, il est céleste. Il est divin. En tout premier lieu, rappelons que Dieu est amour. Bon Dieu, c'est l'amour. Parce que regardez-vous, Jean 3, 16, immédiatement, vous montez dans le passé. Si Dieu a tant aimé, et vous connaissez ce Jésus-là, pas guéri, mais sans bail. Non. Non. non, pas guéri, mais sans même. Non. Pas guéri, mais sans bail. Et c'est ça que Paul dit, hein. Le Paul dit comme ça que Dieu prouve. Ou quand un garçon toujours m'a défi et prouvez-moi non pouvez-moi qu'on est même mesdames nous connaissons un garçon dit nous ça vous l'avez dit quand vous avez dit donc pouvez souvent le premier baiser il comptait et a dit bon c'est tout bon vrai. Il dit, Dieu prouve, bon Dieu lui-même te le prouve l'amour que vous avez pour moi. Dieu prouve son amour envers nous. Ce n'est pas là nous c'est bon monde, il te l'aime moi. Ce n'est pas là nous c'est bon monde, belle fille, garçon, infilé, donc, ah non. C'est là ton pécheur perdu. Christ mourut pour moi. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Donc, l'amour de Dieu là, c'est un amour qui est incommensurable, qui est démesuré, infini, profond et authentique. Il est incomparable. Et sur la terre, Jésus vit. Personnifier ça. Donc, si nous voulons imiter Dieu, nous devons aller à l'école li. Dans l'école ça, nous pouvons aller pour nous apprendre aimer. Jean te aime nous. Et nous devons pratiquer l'amour ça, propager dans l'église là, autour de nous. Dans le foyer, dans la société, nous devons aimer ce commandement, Seigneur, par Elia. Regardez pour vous. Sous Appliquant 13, là, bien, joue ça dans l'école, là, c'est bon coup de tabac. Mais regardez pour vous. Gon dernier leçon pour Albaye. Jésus t'en Judas aller. Par contre, souhait ça dans Jean 13 là. Judas pas là, Jésus a baillé. Dernière instruction ça. Il t'a mort au là. Pour garder Jean 13. Aïe, aïe, aïe. Nous va revenir. Verset 21. Regardez, vous, elle dit que dès que. Verset 27.
Jean 13, 27 dit, dès que le morceau fut donné à Satan, à Judas, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais le promptement. Et puis, le Saint-Esprit l'a dit, Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Même quand nous soulignons ça, le passage de verset 30 là, dernière parole là qui dit, il était nuit. L'homme qui fait présence, bon Dieu, il n'a pas fait clair encore. C'est n'a fait noir. Yeah. Est-ce que d'accord? Amen. Donc, qui est présence, bon Dieu, pas n'a fait. N'a fait clair encore. Ou pas dans la lumière encore. Amen. Amen. Mais regardez qu'il y a pour elle. C'est ce que je dis. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Et puis, la descente, il va dire, mes petits enfants, verset 33, je suis pour peu de temps encore avec vous. Donc, où elle continue à parler toujours. 34, je vous donne le commandement nouveau. Je n'ai pas là. Je n'ai pas là. Et puis le prêtre dit maintenant, verset 35 là, à ceci, ça veut dire qui ça? À qui ça? La façon à l'aimer, hein? La façon à imiter dans l'ami, le sentiment ça. Tout le monde va connaître, tout le monde va voir où c'est disciple moi. Et puis la route est si encore après lui. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Regardez, WMI, c'est pour yo, nous. J'en ai vivre l'amour de Jésus. Nous l'autre. C'est pour nous. Donc, même si ça s'est fait à Antioche, nous avons regardé ici, nous avons vivre. Nous avons été jaloux. Faut nous même nous jaloux qui ont voulu venir voir Jésus puis au même là avec nous. Mais dis amen peut-être moi. Amen, amen, vous méritez ça, vous méritez que nous amen. Mais dis amen peut-être moi. C'est ton vérité. Donc il est important. Donc vous voyez que sentiment ça qui se calme parler à. Parce que monsieur, l'homme là que le fait le bas là, Judas pas là pour tant de bagailles là. Donc, il faut imiter l'amour de Jésus là. Et l'amour ça, sentiment ça, l'introduit nous dans l'univers. Nos relations qui simultanément vertical et horizontal. Ça nous dit là, il introduit nous dans une relation qui est à la fois verticale et horizontale. Nous dit vertical, pas vrai? Nous dit vertical parce que nous entrons dans une relation avec moun sa ki kreye nou an. Moun sa ki reme nou an. Et moun sa ki sauve nou an. Et li fè nou promes. La bin chèche nou. Par les pièces fondantes de religion non ki jam fè un tel promes. Ki jam ose fè un tel promes. Ma vie chercher. Ça c'est relation verticale là. C'est relation verticale là. Maintenant, de la relation horizontale.
relation ça li rapproche moi avec vous. Ouais, ni moi ni vous, nous ne passons pas l'autre. C'est l'évangile, ça nous connaît, hein, qui mette nous ensemble, qui relie nous ensemble. Qui ferme ta vie, ouais, ou même toi, vie, ouais, moi. C'est relation ça en Christ qui fait ça. Horizontal, les rapprocher nous les uns des autres. Et n'était-ce pas l'amour de Dieu? Nous avons des étrangers l'une pour l'autre. Ou pas quoi ça? Parce qu'on y a là, on ne peut pas dire pour ne pas demander des nouvelles. C'est Jésus là, toute équipe ça, qui est débarqué, Kenton. Dernièrement, au mois d'avril. Donc, on commence à nous parler de l'autre qu'on y a là, pour nous prier pour nous. C'est Dina, à toute ma vie. Amen. Donc, c'est relation ça. Donc, c'est relation horizontale ça. Si c'est ma relation, ça, t'as bon rupture entre nous. Mais la venue de Jésus, il changeait ça. Il réglait d'être là pour nous. Moi, ah oui. Il réparait pour casser là. Je dis à moi avec vous, nous pas ennemis encore. Parce que nous réconcilions avec bon Dieu. C'est peut-être ça qu'il commandait moi. Il commandait où? Pour nous aimer. Chaque lui-même, il te remet nous. Et que pour le monde, car ouais, que nous, c'est discipline. Nous, c'est imitateur. C'est l'inhabilité. Je vais dire un petit peu de quelques. Je ne peux pas imiter. Je trouve la semaine dernière là. Donc, si tu as résumé vie nous en tant que chrétiens, premièrement, c'est à remet. Vous êtes d'accord? Deuxièmement, c'est remet. Mm-hmm. Toi, c'est vraiment. Parce que Paul parle du pied de fin. Mon nom crémeillant, il a accompli la loi. Amen. L'or a mission qu'on y a là pour délecter. Pour délecter. Dans Corinthiens, chapitre 13, là, l'âme de tout ça l'a mouillé et tout ça l'a mouillé. Donc, il y a des outils. Je ne sais pas, le tuto ça y en a même. Il y a des outils, mais il y a des pour nous, pour apprendre à faire ça. Mais nous avons un problème. C'est un mot souligné ça, hein? Nous avons un problème. C'est que le vieil homme, la caille moins. Le vieil homme, nous avons dit ça pour vous, c'est vrai. Non, je ne pas dire la vieille femme. Je ne pas dire la vieille femme. Non. Qui t'aime dire le vieil homme? Le vieil homme, en nous, il est coriace, il est tenace. Parce que qui j'aime nous l'aimer avec un cœur qui est révolté, un cœur rebelle. Un cœur qui est soumis, un cœur qui est méchant. Non, on ne peut pas aimer. On ne peut pas aimer avec un cœur qui est cruel. Un cœur qui est insensible. Est-ce qu'un cœur qui est ingrat, qu'a aimé? Non. On est ingrat, qu'a aimé. Un cœur qui est orgueilleux. Bon, c'est une table à toi, il y a un mot. Un cœur qui est raciste. Qui prennent préjugés, présomptueux.
Bon, ouais, malgré tout, samedi là, hein, Jésus est si témoin, mais pareil. Malgré tout. Ouais, mais. Est-ce qu'on peut remarquer ça, je dis à la foyer, nous, yo? Je parle aux mères de famille, je parle aux épouses, aux époux qui nous écoutent, là, qui est à cette expérience, ça, la foyer, lui. Et dans l'église, là, pasteur, nous, yo. Pasteur, nous, tout, yo, fait. Femme, quand il dit, là, yo, elle, il fait comme ça. La société, nous, dans le monde là, dans la vie, nous, bon bagaille bizarre qui a passé aujourd'hui. Il y a quelque chose de bizarre qui a passé dans le foyer, nous, dans l'église là, dans la société là. Et c'est une réalité qui vient monnaie courante. Une réalité qui vient monnaie courante. On va poser une question, non? On va dire pas qui ça. Si vous posez une question, qui ça? Ça bizarre là, c'est que nous avons perdu l'habitude d'aimer. Ah, il est menti. Non, pas bah menti, c'est vrai. Ah, il est même presque même. Nous avons perdu l'habitude d'aimer. Ou pas remarquer sur planète là. Comment niveau intensité violence là, lui monter, lui omniprésent, son fléau. Jésus. Violence à lui dans les coins, les pour reculer de la terre. La briller par présence lui dans toute société là, dans tout foyer yo. Il paye pas l'église là tout non. Ah oui, il y a plus de monde qui prend coin de l'église là. Hein? Et profondément, les ouais. Ancré, les péchés, n'a que nous. Cela, si vous voulez comprendre, je vous dis, ils mettaient l'amour dans le placard, ils mettaient l'écart, ils mettaient l'amour dans, comme on dit en français, au rencard. Est-ce que tu as constaté aujourd'hui, hein? Jean nous vini violent. Nous violent avec madame nous, avec Marie nous. Nous violent qui nous. Nous violent avec collègues de travail nous. Nous violent dans l'église avec frère nous, c'est nous. Des fois, on a dit, mais tu n'es pas exprès, c'est à faire le pilon. Ou bien frère à faire. Non, tu n'es pas exprès que le fait. Mais on regarde le docteur indisposé jusqu'à ce qu'il retourne la carrière ou pas circuler là encore. Nous voulons même ma propre tête, nous. Et puis d'une fois, en cette époque-là, est-ce qu'on n'est pas étonné pour découvrir que, ou même oui, ou envahi par violence ça, ou violent la pensée ou, la parole ou, l'action et la réaction. Ou violent dans Jésus, dans le comportement. Alors, moi, je dis où et moi-même, pas épargné. Alors, c'est ça maintenant, et soit suivi bien, nous c'est reflet, pieds bois à l'eau, qui vient à ride. Qui pas pour te fouiller encore. Même bien enraciné, oui, dans une zone fertile, bois de l'eau. Et le Seigneur nous parle ce soir. Dieu faut nous porter fruits, de bons fruits. Ça fait que Paul peut le dire, on est à la 5 là. 22 là, le fruit. Mais le fruit. De l'esprit, c'est tout ça lié. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais est-ce que je vais me poser une question? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour?
qu'est-ce que l'amour? Bon, la question sera répondre pour moi, à toi, vous dites ça, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Alors, tu dis, bon, tu dis, question, bon, vous avez posé des questions avant. C'est une meilleure psychologue des sentiments. Il y aurait le monsieur Étienne de Griche. Monsieur définit l'amour comme ça. Ça veut dire, ça veut dire oui. C'est une valorisation de mon corps. Valorisation. Une valorisation de l'être aimé. Et une subordination de toutes choses à son bien. Vous comprenez? Tout ça qu'on a ou t'avais pour lui, pour le bien. Pierre de Benoît disait plus sombrement, aimé, c'est penser à. Ou pas, j'aime le texte ça. Ou quoi que c'est Azaf, mais on a psaumio. Et puis, il dit, mais le Seigneur pense à moi. Ou pas, j'aime le texte ça. Le Seigneur pense à moi. Amen, c'est vrai. L'homme, on aimait, regardez, ou dormir, c'est l'eau, elle a un rêve là. L'eau a boué à cassant, ou elle a boué à cassant. C'est l'aimé, on aimait. C'est l'aimé, on aimait. Laisse-t-il ça, moi? L'homme, on aimait, je prends la cassant rapidement pour appeler. Ah, c'est vrai. Parce que, non, écoutez, je parle avec le monde, je parle de conflits. donc, c'est ça la question, hein, c'est que, c'est ça, aimer, c'est penser à l'autre. Et Antoine de Saint-Exupéry écrit, quant à lui, je dis que aimer, ce n'est pas se regarder le l'autre. Mais regardez ensemble dans la même direction. Wow. Et puis c'est Augustin, il quitte noir pas, on t'y bout de mots, monsieur Diri, il est tout force, lui. Rien, mais l'amour est une présence. L'amour est une présence. Et dans la Bible, nous apprend que Dieu est amour. Alors, pour abdon moun koren meni et pour pas honorer lui, c'est pas l'amour ça. Pour dire moun nan je t'aime et puis ou pas mal valet, ce n'est pas aimé ça. Parce que m'a pas déclaré ou que moun aimé ou et puis m'a pas partagé tristesse ou souffrance ou douleur et problème. Ça veut dire pour eux. Regardez pour eux. Dans Exode 3, bon Dieu dit Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu ses souffrances et je suis défendu. Amen. Pas comme dit maintenant, donc au moment où même on a souffert et puis donc on est différent, ça pas loin. Hein? C'est important, ça. Donc, si vous aimez, ou après, à tout sacrifier, pour bonheur, mon ça. Parce que l'amour n'a pas de prix. L'on doit investir pour soulager notre aimé. Nous avons perdu l'habitude de dire que je t'aime. On va dire qu'il nous aime encore. Je prends la rue à la chambre, nous nous disons que nous aime. Nous même en retour,
l'on a besoin pour ta dou je t'aime mamie ça pas dans ça pas dans programme yo n'a dit de dire nous au monde qui en crise donc moi avec vous dit a c'est un sentiment que nous devons qui doit animer nous et nous pas qu'à faire tant que Michel Sardou nous pas qu'à chanter même Jacques Michel Sardou je vais t'aimer ta bon créole mais moi pral remet au soir mon futuriste bon Dieu pas dit ni pral remet mais dit moi même je t'aime dit l'Éternel l'Olie Esaïe 43 il nous donc tu as de la valeur pour moi et que je t'aime. Du haut des cieux, nous faisons telle déclaration, elle pouvait déclaration, non. Ça nous dit, Fia, je vais t'aimer. Son déclaration qui équivalent à Yoa, mon futuriste. Bon, notre chanteur français, monsieur chante tout, oui, monsieur te dit que c'est Guy Michel, Guy Martel. Monsieur Gros Chantel chante. T'aimes tes petits jeunes de la famille, n'avoue jamais que tu aimes. Pas jamais que tu aimes. Mais bon, tu pas caché l'amour pour moi. Bon, tu pas caché l'amour pour moi. Il n'y a pas tant que l'homme te dit pour le recevoir, moi. Il a avoué l'amour. Et il a trouvé l'amour. Et je vais vous parler de ce qui est important. Je vais souligner ça. Ce qui n'aime pas réellement ne s'engage pas. Les gens qui parlent, mais tout bon, ils ne sont pas engagés. Allô? Amen. Celui qui n'aime pas l'église là, même dans l'église là. Nous avons dit, et puis je veux dire, nous, ça, de gants, tout le monde, c'est pas la parabole. Il y a là, il est venu chercher, c'est moi qui vais me porter. Alors, l'église, c'est pas chercher ou venir chercher, c'est pour toi, pour toi. Il faut te faire tout d'abord, par amour. Amen. Et c'est ça que Macédonien ou dit Paul. Nous pas capable de participer dans le ça. Et Paul Frère dit, ils se sont d'abord eux-mêmes donnés à nous. Alors, à Dieu d'abord et à nous. Projet, l'église a un projet, et puis donc projet a traîné. Pas moins d'amour. Par manque d'amour. C'est ce projet. C'est là pour le pasteur, le projet. Programme de compter, projet au compter, c'est pas au pasteur. C'est pour nous. C'est nous. C'est nous. L'homme d'une assemblée. Là, on se voit à toilette là tellement gagné, ou à Fia, il a tourné encore dimanche prochain. Un bon monde qui dit moi, l'église a fait une toilette, il était en honte pour éviter aux hommes qui viennent à l'église. Là. Pour si nous avons des toilettes, il n'y a pas de problème. Mais l'église a mis tes mains, Nous avons ouais maintenant dans le local ça. L'orange, je ne vais pas quand même cracher à terre même. Tout le monde a mis dans l'église à Gounière. Celui qui n'aime pas ne s'engage pas. Donc, je veux dire, un peu de monde qui a parlé. Donc, Jésus, mais il est plus engagé. Puis, on met les mains en poche. Il va dire, juste ça, il est reconnu, il a fait collecte ça, offrande ça, il va venir. Pas de l'amour. Donc, il est important. Sentiment, ça. Et nous n'avons pas vu aller plus loin, nous avons juste touché là avec le Seigneur.
deuxième, alors, c'est ce même sentiment, oui, il va parler tout à l'heure de l'amour comme tel. Maintenant, deuxième partie, c'est-à-dire deuxième face d'un sentiment, ça, c'est cet amour pour les âmes. Cet amour pour les âmes. Et c'est ça qui mène Jésus. Samarie. Parce que l'homme, il texte ça bien. Jean, c'est dans Jean 4, texte là. Dans Jean 4, il dit, comme il fallait qu'il passa par la Samarie. Il n'est pas capable de passer là. Et dans le texte là, oui. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du puits de Jacob. Ce sentiment, ça, oui, Jésus, c'est cet amour pour les âmes qui menait, parce que lorsqu'on était que conflit qui gagnait entre juifs là et samaritains. D'ailleurs, dans ce cas-là, cette femme samaritaine, il peut stipuler ça. Qui rapport bien entre nous? Pas de rapport entre nous. Qui doit avoir une main de l'eau à la permettre? Mm-hmm. Mais parce que Jésus sourit, les filles a dit ça. Et puis, il prend ici la parole, ça, si tu connaissais, sous tes connais. Donc, il ne nous pas faire, nous pas faire en tant que chrétien. Donc, il est côté. Il ne pas réaliser, mon Dieu. C'est qu'on est, on est, oui. C'est qu'on est, parce que si on te connaît, si tu connaissais le don de Dieu, ce don, c'est qui c'est Jésus, que mon Dieu baille, pas pour juif seulement. Mais c'est pour le pécheur, parce que Jésus-Christ est venu pour les pécheurs du monde entier. Il est pour un groupe, pour une classe, il est pour tout le monde. C'est nous tous nos péchés. Et puisque nous péchons, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et soit appelé texte là bien. Son texte, donc l'on a pli ou l'on a prêché sur ce texte ça, samaritaine ça, parce que il fait partie des plus belles pages du Nouveau Testament. C'est une rencontre mémorable, significative. Et le texte ça, Jésus fait nous découvrir comme ça. Et on voit que c'est. Ça ne pas dire à disciples, ça ne pas avouer à disciples, ça ne pas révéler à disciples, ça que ça ne pas le parler. Nos vérités n'ont encore dévoilé, même pas à ses disciples. Et ça me semble que l'histoire, oui. Il m'a fait l'histoire de tous les vrais adorateurs de Dieu. Et à travers toute la chrétienté. C'est l'amour qui pousse Jésus à modifier chemin dans le but de rencontrer cette femme près du puits de Jacob. Donc, il est important de continuer ça semaine prochaine. Non? Si vous parlez dans le thème des pistards, semaine prochaine, non? Ou va, ouais, semaine prochaine, non? Comment que. Et qui technique Jésus à apprendre nous, qui façon la battre nous, pour nous aller chercher un homme là. Nous allons être la semaine prochaine, mais comment que c'est Gérard Rocher qui montrait nous toute histoire d'amour, ça, yo, depuis l'Ancien Testament, toute histoire d'amour, yo, qui a parlé de l'amour vrai, c'est autour d'un puits. De l'ido, parce que j'ai que Moïse, je viens de Rebecca qui est bon. Moïse, je viens de Rebecca? Non. Moïse, je viens de Madame Mia qui est bon. Bon, puis l'eau.
Jacob jeune Rachel dit bon. Bon, on dit non. Donc, on a fait reste, c'est mardi prochain, si Dieu le veut, continuez à prier pour nous, et puis, prends notre son, bien, de telle sorte que l'un seul a posé des questions, pour pas que parler en pile. Amen. Amen. Sentiment ça. C'est parce que. Dans les deux, façons, hein. Nous devons imiter lui. Si nous voulons, comme des enfants bien-aimés, soyez les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés. Bonne soirée. Et bon Jésus. Merci, Pasteur. Amen, amen. Par contre, si vous avez une question, peut-être. Par contre, si vous avez une question, Mon question, pas maintenant, parce que c'était un moment de rencontre, ça. Oui, c'était une façon pour Christ être capable de retracer l'homme, ça. Parce que madame, ça, elle est à vivre avec son mari qui n'est pas poli. Est-ce que c'est façon ça pour Christ est capable de faire les libérer de, ça, de ce genre de vie? Mais c'est ça la première dimanche. C'est ça la première mardi prochain. Plus profondément. Ah, ok. On a besoin de pour nous assurer là, parce que notre abîme est une directe. Amen. On va se délivrer. Seulement. Tellement de bagages qui pour dire là, bon, puis ça, il y a tellement de paroles qui traduisent, dit, bon, puis il y a tout. Comme on dit, c'est quelques amis. Et dit, c'est quelques amis pour vous entendre. Amen, amen, amen. On a demandé à Pasteur Magloire, pour être capable de bénir nous. Jésus. Mon qui mettait dans Jésus en confiance, qui sans mesure, que ma part jamais tombe. Amen. De vivance sur assurée, de confiance va marcher, de confiance va triompher, de confiance jusqu'à la fin, mon Dieu va l'ouvrir chemin. Seigneur, c'est ta paix, amen, amen, amen. C'est ta grâce, l'amour du Dieu le Père, la douce et l'intime communication de l'Esprit de Dieu, et la paix de Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées, de notre vie à son cœur. Amen. 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 Amen.